Telles les saisons, la guerre revient toujours. Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orques et humains mettent alors leurs différends de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Le mal surgit 2 années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Nous n'étions pas prêts. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prématurée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Salut à tous, c'est Trail pour la chaîne Imaginaire. On se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Spellcaster University, un jeu dans lequel on gère la construction de plusieurs écoles de magie sur des tableaux différents et dans laquelle on doit former des mages pour lutter contre le mal. Donc on va démarrer une petite partie tout de suite. Donc on va se mettre en sorcier en normal, on va tout laisser. Par défaut, on a la possibilité de se faire un petit logo. Tiens, celui-là, il est rigolo. Allez, on va se faire ça. On va se le faire rapidos. Oh, ça fait mal aux yeux. Hop, faire ça, je crois. Voili, voilou, ce que sont noir ou blanc. Allez, on se voit. Voilà, la petite vache contente. On va appeler ça l'université. Voilà, ça prend pas les caractères spéciaux. Université imaginaire. On est parti. Donc on a la possibilité de choisir sur un premier tableau, lac, forêt, village. On va prendre le lac pour démarrer. Alors j'ai pas installé le jeu sur le SSD, il n'y a pas beaucoup de temps de chargement. Enfin théoriquement, une citadelle lacustre, l'île au milieu de ce lac sera idéale pour installer notre nouvelle université de magie. Nous serons parfaitement à l'abri des forces du mal. Cette université sera grandiose. Bon, le mauvais côté, c'est que les étudiants ont un sacré long trajet à parcourir pour se rendre au village le plus proche. Il faudra s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut dans l'école, et il paraît qu'une bête maléfique rôde dans le lac, alors soyons sur nos gardes. Donc on a la possibilité de choisir un certain avantage de départ. Ce lac est un antique site de pouvoir, ce sera parfait, donc on récupère 500 de mana des arcanes et 100 de mana d'alchimie. Donc ici vous avez les ressources du jeu, qui se situe par pioche de cartes dans laquelle chaque fois qu'on va dépenser la somme d'argent, hein, le coût qui est indiqué, donc 100 au départ pour toutes les formes, on va piocher 3 cartes et on devra choisir 3 cartes qu'on placera dans le deck qui est ici, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc ici on a, pour l'instant on a 600 d'or, vous voyez que là on a 0 en arcane nature, 0 en arcane lumière, 0 en arcane ombre, 0 en deck des arcanes et 0 en deck d'alchimie. Donc on peut prendre l'or, ça montre à la rigueur assez vite, piocher dans la carte salle de l'ombre et piocher la carte salle de la lumière. Ah, au pire on peut se faire une école spécialisée directement ombre et lumière. Alors le problème c'est qu'on a des étudiants qui sont aléatoires, s'ils sont pas
Ouais, c'est pareil avec Arcane et Alchimie. Bon, on va prendre le fric pour l'instant, je connais pas trop, pas assez le jeu. Une nouvelle. Piocher la carte, nouvelle maison. Ouais, ça, c'est pas très intéressant par contre. On va se prendre carte de l'ombre, carte de lumière. On va mettre sur pause le temps que je vous explique l'interface. Donc ici on a une notion de temps. Donc autant vous lire l'étiquette parce que c'est relativement très clairement expliqué. La puissance du seigneur du mal, elle augmente au cours de la partie. Et lorsque la jauge est remplie, il faut fuir et construire une nouvelle école. Formez un maximum d'élèves et réussissez des quêtes avant cela pour bénéficier de bonus dans le reste de la campagne. Certains événements peuvent ralentir l'avancée des ténèbres. Donc ici on a les options du jeu, ça c'est assez simple. Ici on a des informations sur la classe et les étudiants. Donc ici on a une classe générale. Je pense pas qu'on puisse la customiser cette classe. Ah, si on peut customiser à la rigueur les uniformes, ça n'a guère d'intérêt. Ici on a tout un tas de statistiques qui nous permettent de comprendre éventuellement des choses dans le jeu si on cherche. Je les ai pas trop utilisées pour tout vous dire. Ici, on a la carte des voisins avec lesquels on va pouvoir créer des relations, ce qui va nous donner des avantages. Et ici, on a le bureau du directeur où on peut voir deux choses. Les étudiants qui sont formés, je pense. Et ici, des conditions d'inscription. Donc, on peut recruter des hommes et des femmes ou uniquement des femmes et des hommes. La discipline qui peut être laxiste, raisonnée ou stricte. On peut organiser un concours ou des choses comme ça dans l'année, des autres règles. On a des présélections où on essaie de sélectionner les étudiants les plus intéressants ou les plus stables ou les plus issus d'une famille noble. Pour l'instant, on va pas mettre grand-chose. Frais d'inscription, c'est le coût qui paye l'inscription. On a les dortoirs. Moi, je vais mettre les dortoirs payants. On a les salaires des enseignants. Alors, le problème. C'est que là ils se reposent plus donc on va pas trop le faire et repas bio. Et c'est ça comme ça. On va sortir. Ici on a un chaudron. J'ai pas encore trop maîtrisé ce truc là. Apparemment on peut récupérer des potions et des choses. Ici on a le prestige de l'école. Et ici on a un certain nombre d'événements qui vont s'afficher, vous allez voir, durant la partie. Donc ici on a la possibilité de créer des maisons d'étudiants qui permet d'avoir des bonus. On va pas forcément le faire. On a la possibilité de construire et d'agrandir notre école, donc ça va se passer grâce au deck. Donc vous voyez ici l'écran de jeu, donc je pense que ça va venir par la gauche ou la droite. Les étudiants vont venir par la gauche. Ici on a une première entrée. Ici, on a la possibilité de mettre le foyer des élèves et ici un dortoir. Donc on peut tout simplement créer les choses de cette manière-là. On peut éventuellement mettre l'entrée. On va mettre le réfectoire en bas. C'est ce qui paraît le plus logique. On va mettre le foyer des élèves ici. Allez, on va mettre le dortoir tout en haut. Voilà. Théoriquement, je pourrais combler le trou après. Donc on a le dortoir, le foyer des élèves, réfectoire, on mettra le reste après. On va lancer donc le recrutement de nouveaux élèves. Donc il suffit de placer la carte sur le jeu. Donc j'ai eu un bug moi la dernière fois, ça c'est écrit en tout petit. Bon, on s'en sort relativement bien. Donc on voit des avantages, des inconvénients aux élèves. On voit ici leur niveau de pratique de magie. J'ai pas trop compris comment ça augmentait pour tout vous dire. Ici on voit qu'il est un peu lent, réduit de 20% la vitesse d'apprentissage. En argent, il a du fric. Diminue toutes les pertes de points de vie de 20%. Ouais, bof, très agressif. On va pas le prendre lui. Lui il est malin, il est chaotique mauvais. Par contre, il n'a pas un rond, il est érudit des arcanes, bavard et lâche. On va recruter, on va mettre dans l'école normale. Un peu lent, procrastinateur, allergique aux crustacés, orphelin, pauvre. J'aurais dû recruter les aies.
pas recruté non plus. Brillant, riche. Ah, mais ça, on recrute ça. Hop. Touche à tout, un peu lent, bavard. On va se le prendre aussi. On est avec 5. Donc on a déjà quelqu'un qui est spécialisé dans les arcanes. Donc on va se spécialiser, on va se prendre une maison spécialisée arcane. C'est plutôt sympa ça comme logo, c'est juste la couleur qui me choque un peu. Voilà. Rose, c'est bien pour les arcanes, je trouve. Ouais, lune, c'est bien. Allez, go, on est parti là-dessus. Donc on va y mettre essentiellement des étudiants liés aux arcanes. Eh non, attendez, faut pas que je fasse ça, faut que je fasse une école de la lumière. Ah oui, regardez les avantages. Ah oui, je suis bête, j'ai oublié, à chaque fois je me fais avoir par les avantages qui conditionnent carrément la création de l'école. Donc soit on fait une ombre, soit on fait une lumière. On va faire une école de la lumière. On va plutôt faire ça, on va se créer un... Ah, je sais pas s'il y a le plein. Emmerdez. On va se créer le bon vieux Lego logo typique. Et à la lumière, voilà, un joli petit soleil, comme ça on les repère facilement. On va pas en faire des arcanes, pas du tout. On va donc en faire des prioritaires à la lumière. Allez, on va carrément faire un culte. Le culte de la lumière, qu'est-ce qu'on leur donne? Touche à tout, apprend le niveau 1 des magies 100% plus vite, gourmet, enfant de la nature. Ah, au pire, je pourrais faire lumière et nature. Ouais, on va mettre touche à tout, ça sera très bien. Allez, c'est parti. On va signer. Donc on a nos premiers élèves. Donc c'est là qu'on peut aller dans les classes. Et on va réattribuer tout simplement les élèves. Donc lui qui était balèze, on va le mettre là. Touche à tout, il va l'avoir deux fois. On va lui mettre quand même. Pas toujours quelque chose. Donc maintenant, on réaccélère le temps. Donc on va recevoir un peu de pognon avec les inscriptions. Alors moi, je me mets toujours en vitesse moyenne. On peut créer une salle de la lumière, ce qui serait fort pratique. On va la créer là, on a donc des professeurs qui est inspirante et puis dormeuse, tranquille, se déplace un peu moins vite, démoralisé, ventre rebondi, glouton, sportif, sympathique. Diminue 30% moins vite lorsque cet élève... Bon, ouais, bof. On va se prendre la fille. Voilà nos premiers étudiants. La prof. Alors voilà les événements. Donc là, on récupère des étudiants supplémentaires. Médium un peu lent. Va prendre riche, prosaïque, lâche, comique, stupide. On va prendre
Médium, petit dormeur. On va pas prendre. Malin, aisé. En général, inébranlable, procrastinateur, très agressif, mais il est malin. Elle est maligne, de quoi la mettre. Là, enfant de la nature, gourmet, démoralisé, normal, pauvre. On prend beau, allergique aux crustacés, médium un peu lent. Allez, on va prendre quand même. Voilà. Donc on peut retirer des cartes là. On va faire. Donc on peut récupérer une salle privée ou une salle d'alchimie. Salle de cours permettant aux élèves d'améliorer lentement toutes leurs compétences en alchimie, runes, potions, enchantements. On fait des expériences de points dans cette salle. Un peu de patriotisme ne fait pas de mal et puis ça en jette lors des visites protocolaires. Ça c'est pour générer un peu de prestige. On va se prendre ça. On va le mettre dans l'entrée. Voilà, on a notre blason. Salutations royales. Ah, une nouvelle école pour mon royaume, c'est une très bonne chose. Oh oui, une très bonne chose. Je suis d'ailleurs prêt à vous aider car je suis un roi bon et juste. Que désirez-vous? Votre école aurait besoin. Recevez une carte parmi trois. L'aide des architectes royaux pourrait être utile pour construire une salle avancée. Ouf. On récupère une chambre de vérité. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences de vindicte. Cette salle est associée à un professeur. Arène des assassins. Ok, ça c'est pour l'ombre. Je pense. Et ça, c'est encore pour l'enchantement. Bon, on va continuer de tout miser sur la lumière. Bavard, ventre rebondi. Sympathique, inébranlable. Inspirante, courageux, hypochondriaque. Tranquille. Allez, on va prendre que des femmes. Salutations de la guilde des aventuriers, j'ai trouvé un peu de temps entre deux tueries de trolls pour venir vous saluer. Une nouvelle école de magie est toujours une bonne nouvelle pour nous. À la guilde des aventuriers, quel genre de mage formez-vous? Des mages habitués à utiliser des babioles magiques. Qui font exploser des trucs. Armes et boucliers, chambre de démons, ouais. Élémentariste, ouais. Pas trop notre truc ça. Les personnages actifs dans cette pièce voient leur puissance au combat augmenter considérablement pour quelques minutes. Le danger est partout dans ce monde. On va prendre ça encore une fois. Et on va encore mettre un bouclier ici. On va retirer une nouvelle carte. Salle des arcanes. Arcane élémentaliste, magie temporelle ou ombre. Ou un nouveau réfectoire. Permet à 10 élèves de réduire leur faim, on n'a pas encore 10 élèves, on va se prendre la salle de l'ombre, on sera l'école de l'ombre et de la lumière apparemment. Alors on est limité en termes de taille. Sagesse des anciens, inébranlable, vieillard, hypochondriaque, sympathique, gourmet. On va prendre lui. On va se mettre ça là. Hop, on va se prendre ça. On a les deux salles de l'ombre à l'étage. On va pouvoir créer une nouvelle maison si on a la chance. Pas, c'est les enfants de la nature. Ah, une fois qu'on utilise la carte, on peut pas revenir en arrière. Pour le blason, on s'en fout. On va se créer une école vide, enfants de la nature.
Ok. Alors, il va nous falloir mettre des mecs dans. Alors là, on gagne encore du fric. Donc là, on a des nouveaux étudiants. Appliqué. Bibliographe, glouton, normal, riche. On va la mettre dans la nature. Petit dormeur, orphelin, prosaïque, très agressif, brillant. Là aussi. Hop, résilient, petit dormeur, lâche un peu lent, on va pas prendre, voilà. Et cantine au gluten, vous avez donc si peu de respect pour vos élèves que vous ne leur proposez même pas un menu sans gluten, ni même végétarien, finalement ce n'est peut-être pas si étonnant qu'il y ait tant d'élèves chez moi. J'ai maniquement enlevé le... Hein, je vais importer des plats hors qui savent bien cuisiner. Je n'ai rien à faire du gluten. En plus je sais pas ce que c'est. Allez, je vais prendre ça. Les paysans, bonjour à vous. Vous, on est les gens du coin. Nous, on veut pas de problème chez nous. Et on aime moyen les étrangers. Vous venez faire quoi ici exactement? Rassurez-vous, notre école forme avant tout des sorciers spécialisés dans le soin pour les animaux de ferme. Ils vont être contents. Communication disponible, on va discuter avec qui? Mort corbeau, le bois pendu. Allez, on discute avec les paysans. Vous voulez quoi? Faites vite. Faites peur aux vaches. Réputation avec les paysans, moins 15. Ouais. Juste augmenter la réputation. Ouais, j'ai mis pas mal de mecs là. Va peut-être falloir que j'aille chercher quand même un peu des mecs de la lumière. Enfant de la nature, paf, ça y va. Initié à l'alchimie. Procrastinateur, inébranlable. Alors, on va faire ça comme ça. Un peu de fric qu'on va pouvoir améliorer. Qu'est-ce qu'on récupère? Salle des profs, psychologue, foyer des élèves. On va se rendre une salle des profs. Ok. On va se prendre un cochonnier. Lumineux réfecteur du personnel. Cloître des justes, une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en magie sacrée. Lit de repentance, une autre méthode venue d'un autre pays offrant aux élèves d'expirer leur faute. On va se prendre ça. Alors le cloître des justes, on peut mettre ça où? Assez grand, ouais. Ponctuelle exigeante, le cochonnier. Ouais, c'est très logique de mettre ça là, mais bon. On va mettre la salle des profs là. Et voilà une affaire qui roule. Des sorciers pour le clan. Salutations humains, nos clans ont besoin de sorciers pour lutter contre les forces du roi. Et je me demandais si vous seriez prêts à nous aider, puisque c'est sympa. Augmenter vos relations, il faudrait pour ça gagner la confiance du clan Orc et augmenter vos relations avec eux jusqu'à 90. Alors les amis.
Ouais, on va pas y aller. Alors, passionné, amorphe, lâche, malin, misérable. On va le prendre en classe générale. Disciple de l'ombre. Merde. On va te mettre là. Disciple de l'ombre. Ah! Est-ce que j'ai la possibilité de faire une nouvelle maison? Que dalle. Feu de chasse. Personnage se déplace bien plus rapidement dans cette pièce. Lit à balle d'un corps. Personnages qui dorment dans ce lit diminuent beaucoup leur fatigue. Pas assez de fric qui rentre. Ok, la dîme, nous tolérons votre université de sorciers hérétique, mais cela ne va pas sans compensation. Nous venons collecter la dîme à un impôt qui servira à financer nos équipes de chasseurs de sorcières. Cocasse, non? Bon, on va leur donner le pognon, ils éviteront qu'ils viennent nous chercher. On a de nouveaux étudiants. T'as pas un rond, toi? Mais t'es pas trop bête. Allez, on va te prendre. Ambitieux, ringard, malin, aisé. Pouf, lumière. Alors, on peut se faire encore des copains. Ah, c'est tout ce qu'on peut donner, on n'a pas de potion de fertilité. Ok, à chaque fois ça revient. Alors, 150. Attends, ça progresse plus beaucoup sur la nature. On progresse beaucoup dans les ombres, par contre. Ah oui, on n'a pas de salle de classe nature. Hein. Ouais, il faudrait que ça vienne. Et des fois, ça vient pas. Chapelle des héros, une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en héroïsme. Cette salle est associée à un professeur. Chambre de vérité, une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences. Je l'ai pas déjà ça, je l'ai déjà. Je sais pas comment ça marche ça par contre. On a faim, on a très faim. Faim ou très faim, l'humain va nous trouver quelque chose à manger si nous en mangeons l'humain et les petits humains qui vivent dans la maison de l'humain. Merde. J'ai pas l'appareil à gaufre, j'ai pas l'appareil à raclette. Je vous conseille de manger les paisibles villageois du voisinage. Allez. Gourmet gothique. Stupide, on vire. Un peu lent. On vire. Pas si la musique est pas un peu forte. Pour vous dire. Je vais aller diminuer ça. Ah oui, tu étais un peu fatigante. On va accélérer le temps, souvent ce qu'on fait dans le jeu, hop, on va aller rechercher un deck. Chat sorcière, une créature qui se déplace dans ce col et réduit tous les besoins des personnages travaillant dans la même pièce. Alors ça, il faut la coller dans une pièce de travail, dans une pièce de... de repos, par exemple. La mettre dans le foyer des élèves. Alors, on peut aller se cacher une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences. Une crypte. Ça peut être cool, ça. Je vais la mettre là. Sage des anciens, résilients, vieillards, prétentieux. Alors, on a encore récupéré des élèves, érudits, des arcanes. Malin, aisé, on prend. Petit dormeur, sage, très agressif, stupide. On va aller requalifier, ouais, on a plein d'élèves qui sont là.
Allez, la lumière à un élève de plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Faim, on a très faim. Putain, mais il faut arrêter. J'ai rien à te donner. Une spécialité pour l'école. Pour toute école de magie, il faut une matière spécialisée. La lumière. Donc on a un système de quêtes qu'on récupère. On peut les voir, je crois que c'est... Ici, voilà, produit un total accumulé de 6000 manas de la lumière sur l'ensemble de la mission. On est à 411, on y est très loin. Alors, on peut avoir jusqu'à 3 objectifs. Donc, on va avancer le temps, histoire de faire un peu de thunes. On a bien du mal à progresser en nature. Colin, prétentieux, procrastinateur, un peu lent, médium. Ouais, faut pas trop hésiter à prendre des étudiants, hein, j'ai l'impression. Populaire, courageux, hypochondriaque, procrastinateur. Et hop. Moi, je prends des étudiants, classe bruyante. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai eu de nombreux élèves indisciplinés, ils font du bruit, j'ai du mal à travailler, c'est très agaçant. Ah, j'ai pas de chaîne, j'ai rien. Retourne bosser. Ouais, c'est le bordel, j'ai mis plein de gens. Je manque de dortoir et de... et de réfectoire. Mais on me donne pas. Alors, on peut aller faire des relations. On va tenter la taverne, j'ai jamais fait. Ah oui, c'est les aventuriers. Ensemble, nous pouvons lutter contre les forces du mal. On va faire ranger. Marchande de dragons. Les écoles dans le vent ont des dragons. Vous voulez être dans le vent? Ou rester à la traîne du progrès. Dans le premier cas, il se trouve que je vends des dragons à 125 pièces d'or. Ouais, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Non, merci. Ah, la lumière, je peux construire, mais... Vitrail. C'est un peu le bordel dans l'université. Hein. Je crois que ça... On a tout un jeu de filtres hein, que j'utilise pas forcément. La lune était rouge cette nuit, c'est un signe. Les clans se rassemblent pour le combat. Oh non! Mais nous étions en paix! On va être attaqué. Et contre un peu d'or. Bon, on va payer. Disciple de l'ombre. On va essayer de gagner un peu de réputation avec les voisins. On peut peut-être, ils peuvent peut-être nous filer un réfectoire. Alors, l'ombre, crâne. Ah, gaufrier, morbide. Hop, ça c'est pratique. Brick. C'était dans l'al ce truc pour avoir des conséquences plus tard. Apprendre son langage. 200 de mana de la nature. Pot de balle. 200 de mana des arcanes. Pot de balle.
Regarde mon bel archimage, très cher collègue, cela fait toujours plaisir de vous voir. J'ai d'ailleurs une histoire cocasse à vous raconter. L'un de nos étudiants est récemment devenu archimage. Ce n'est pas le plus malin. Non, on ne veut pas prendre archimage. Même pas la peine, on peut pas. Un bûcher. Personnage actif dans cette salle a une chance de devenir bon et de gagner un trait lui permettant d'apprendre plus vite la lumière. Bannière de l'Inquisition, cloître des justes. Une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en magie. Je crois que je l'ai aussi. Allez, on va se prendre un bûcher. Ah merde, je l'ai foutu dans les ombres. Je peux pas déplacer. J'ai mis dans la crypte. Je me suis gouré, c'était au-dessus qu'il fallait le mettre. Ah, c'est con. J'ai fait un misclick. J'ai fait un misclick. On va aller voir les pécores pour gagner des points. Je pense que ça serait bien de gagner un réfectoire parce que ça commence à être compliqué, je crois, dans le réfectoire. On n'apprend pas avec des livres. Mais que faites-vous? Vous êtes fous, des livres, vous n'avez pas honte, les livres sont pleins de mots. Qui éloigne nos ouailles du droit chemin de la pureté d'esprit. C'est dans les livres qu'on voit de la magie noire, de la nécromancie. C'est aussi à cause de ces ouvrages que les sorcières peuvent invoquer des démons venus d'autres plans pour manger les enfants de braves paysans croyants. Brûlez tout ça maintenant avant que ça devienne incontrôlable. Je peux pas. Oh, calmez-vous, on brûle tout. Merde, j'ai cramé ma carte. Avec une en main. C'est un bon début. C'est bon maintenant? Non, merde plus. Alors, on a certains étudiants qui progressent. Donc, on a reçu un peu de mana. Parce qu'on a un petit mage de village. On pourrait relancer et avoir. Ça veut pas. Un paysan. On a gagné un tout petit peu de mana grâce aux étudiants. Mais on a bien du mal à progresser et à faire du fric. L'argent des marchands. La guilde des marchands s'adresse beaucoup à votre nouvelle université. Peut-être que nous pourrions même vous apporter quelques fonds, mais en échange, nous comptons sur vous pour faire de votre université un investissement rentable. Vous aurez pour objectif de collecter 4000 pièces d'or. Tu rêves? Nous n'avons que faire de votre argent, notre cause est plus noble que cela. Je suis ravi que vous ayez décliné la proposition du marchand, nous allons pouvoir nous concentrer sur le vrai objectif, apporter la magie à tous. Nous devrions essayer de former au moins 110 élèves, mais tu rêves. Tu n'y arriverais jamais. Normal, misérable, claustrophobe, démoralisé, appliqué. On va prendre, il me faut du fric. Gourmet, bavard, normal, médium, allez hop. J'ai besoin de pognon. Me veulent les gens. On a foin. Possède au moins un gaufrier morbide. Voilà. Il leur a fait des gaufres. Ils sont contents. Magie. Appareil à raclette. Yeah. Chambre de vérité. C'est déjà ça. Chapelle des héros. J'ai déjà aussi. J'ai pas déjà ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, on va se prendre un appareil à raclette. Hop, il y a gaufrier appareil à raclette. Ça doit diminuer la faim, ça. Les personnages qui mangent dans cette pièce n'ont plus du tout faim pendant quelques minutes. Sportif, procrastinateur. Un peu lent, aisé. Et hop, il y a eu la lumière. Et ça, les personnages qui mangent dans cette pièce ont une chance de générer des cartes composant fromage. Ok.
On peut encore faire des passions. Malin, pauvre, général. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une école sans disciples. Pline. Le comité des parents d'élèves a entendu dire que la discipline était un concept de plus en plus fou dans votre école. Non, j'ai pas de prison. Pas de prison et j'ai pas assez de fric pour tout vous dire. Ah, aventurier. Ça, c'est pas mal. Paysan, ok. On a perdu deux étudiants qui sont formés. Mais on a regagné un peu d'argent. Demain, c'est le solstice d'hiver. Est-ce que l'école a prévu quelque chose pour célébrer ça? Non, nous n'avons pas le budget pour ça. Réputation avec la faction acquisition plus 10. Ouais. On n'a pas le budget, ça nous fera du fric. On peut refaire un dortoir, ce qui serait peut-être pas mal. Ah, une salle de la nature. Non, on va pas s'en priver. Salle de la nature. On va mettre ça là. Allez, inspirante. Oui. On peut aller se refaire un petit réfectoire, ce qui serait fort pratique. Je peux pas construire au-dessus de ça. Tendu. Bon, on va le mettre là. Je peux pas construire au-dessus de ces deux pièces là. Pourquoi j'en sais rien, statue héroïque. Classe brillante, je dis ça, je dis rien. Ouais, retourne en faire chier un autre. Audience avec le Seigneur du Mal. Oui, vous venez implorer ma pitié. En fait, je m'intéresse à la magie des ombres, moi aussi. Votre réputation est d'au moins 20 avec la faction Seigneur du Mal. Non, certainement pas, enfin pas vraiment. Bon, si, en fait. En fait, je venais vous demander de retarder un peu votre attaque, le temps de former quelques nécromanciens. Non, certainement pas, on verra, ok. Conciergerie, nettoie les murs, vandaliser, prison. Fort pratique. Ça va me permettre de relier ici. Allez, je vous ai pas montré ça sur les cartes. Tiens, initié, alchimie, pouf, la génération. On a. Il faut que je récupère une carte pour le montrer. On a. Les pièces peuvent pas toutes communiquer, donc j'ai eu. Celle-là, elle doit pas aller vers le haut. Il fallait que je mette celle-là pour pouvoir aller là. Ah, il lance du crottin en fait. Il lance le je sais pas quoi. Ouh, Bruce Curidan est mort. Oh, oh là, il est devenu un bille, un paysan, un aventurier. Il fait du fric avec ses étudiants, ça c'est plutôt pas mal. Sportif, gothique, laid. Un peu lent, misérable. Ouais, mais il faut des étudiants là. Faim, on a très faim.
Raclette, hop. C'est renoué avec les orques. Alors, étudiant, on va peut-être pouvoir répartir là parce que je crois que j'en ai beaucoup. Hop, on met dans la nature. Combien peut s'occuper un réfectoire? Les ombres. Populaire, gourmet, un peu lent, médium. Allez, on va prendre toujours des sous. Ah, on a des sous. Paf! Boîte torréfactrice. Monsieur, nous n'arrivons pas à tenir le rythme. La correction des copies nous prend un temps considérable. L'incompétence notoire de nos élèves ne facilite pas les choses. Les lits sont de qualité médiocre, les repas sont insuffisants, ne parlons pas des salaires. En conséquence de quoi, nous réclamons, mes collègues et moi-même, une boîte qui fait du café. Merde. Très très bien, je vous commence en commande une sur le champ. J'ai pas assez de pognon. Lit médicalisé. Hop, on va le coller là. Salle de... Ça, hop, santé mentale. On se prend un petit dragon. Jamais où on peut le mettre, le dragon. Pas grand chose, mais bon. Allez, on remplit. Bon, gentil, hein. Moi je réfléchis pas trop, je fais des trucs un peu à droite à gauche. J'ai pas tout compris du jeu. Encore. Une école sans discipline. Bah oui, mais j'ai pas. Ah, mais si, j'avais une prison. Merde. J'ai loupé de quoi leur clouer le bec. Super, 15 en manage chaque type. Yeah. C'est fou ce que ça monte vite la lumière. Atelier d'armes. Paf, et hop. Fête du solstice. On va faire une belle fête. Allez, paf. En réputation. Salle des ombres. Conciergerie. J'avais pris le concierge, je crois. Hop,
Non, on l'avait pas pris. Je vais nettoyer le bordel qu'il y a dans l'école. Tiens. Élu de la lumière, mais tu vas là, toi. Sage, gros dormeur, brillant, riche. Voilà, on a récupéré un peu de lumière, un peu de nature. Ça me donne pas grand chose. Allez, on va récupérer des bonus avec les orques. On est bientôt à la fin du tableau. Boîte de réfractrice. J'en commande une tout de suite. Paf. Faire du café, t'es contente. Pelin, misérable, malin. Malin, on prend toujours. Courageux, inébranlable, très agressif, normal. On le met en classe normale. Alors on a tout un tas de trucs pour savoir s'ils sont fatigués ou pas. Je vous avoue que j'y vais complètement au pif pour l'instant. Je sais pas si ça me porte chambre de vérité, mais j'ai pas en prendre deux fois. Je crois que j'ai déjà. Alors mettre un coup d'inquisition, recevez 15 de mana, 150 de lumière, 150 d'ombre, réduit toutes les pertes de prestige. Ok, on a un héros. Un paysan. Ah voilà. Un aventurier. Un fossoyeur. Quand vous piochez une carte de l'ombre, recevez 2 mana de lumière. Ça c'est classe. Un sbire, 150 de mana de l'ombre. Un diablotin réduit de 1 le coût des cartes d'ombre. Diablotin réduit de 1 les cartes d'ombre. Prêtre, ok, donc en se spécialisant, on a vraiment fait des mecs qui sont plutôt balèzes. Fête du solstice d'hiver. Allez, on va faire une belle fête. Les orques, je crois que je pourrais pas aller rechercher du mana de la nature. Lit dévoreur de vent génère des âmes de dormeurs, un ingrédient de potion blesse parfois le dormeur. Ce lit a sa propre volonté, seuls les élèves dignes de lui peuvent dormir dessus. Si tel n'est pas le cas, ils seront dévorés. Ça, c'est ce que dit la légende. En vérité, les savants pensent qu'il mange juste que quand il a faim. Bon, on va se prendre un bâton de nécromant. On peut le mettre quelque part, ce truc. Non, on peut pas. Alors, j'ai récupéré un nouveau fromage. Peut-être le mettre là-dedans. Merde, j'ai déjà mis l'ingrédient donc j'ai pas le droit. Pas de chance. On va retirer une carte, salle de la lumière, salle de l'ombre. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? J'en ai déjà deux en fait. Merde. Bon, je recharge là. Apparemment, on est une trifouillée. Comment on sait si on a déjà une? J'en ai déjà une. Ok, ils nous le disent pas. C'est notre petite mémoire qui doit jouer. Merde, je vais passer la caméra. Allez, on charge nous, misérables, riches, tout, on prend tout.
Alors j'ai régulièrement des problèmes de commandes dans le jeu. C'est là où on voit que c'est pas encore super stable. Là, je peux plus faire certains trucs. Comme déplacer la caméra. On arrive au bout, on va arriver au bout, on arrêtera là cette petite vidéo de découverte. Pauvre, initial alchimie, comique bavard. Malin, médium, prétentieux. Hop, y a rien qui est. Hop, enfant de la nature, on est parti, petit dormeur. Une nouvelle copain. Les orques. Non, mais je sais pas faire ça, je suis nul. Non, j'ai rien en alchimie. J'ai pas d'étable, donc je sais pas faire. Je sais pas faire, je sais pas faire. Chaîne. Oh, des belles chaînes. Voilà. Diablotin, sbire. On récupère. Bannière du mal. Ah, du mal niveau pognon. Mais si, j'ai une prison. On a récupéré la nature. On peut récupérer un dolmen ou un cochonnier, on est déjà. On va mettre le dolmen en haut de l'école. Allez. Un psychologue, une salle des arcanes. Ah, j'ai oublié de vous montrer comment ça marche à l'icase. Bon, c'est pas grave. Prendre au pif. Je crois que je peux plus bâtir parce que j'ai bloqué mon espace là. Connement. Je vais vous montrer ça si j'ai une carte supplémentaire. J'en tirerai une. Même si elle me sert à rien. Ah, tu feras rien, toi, t'arrives à la fin. Allez, on prend tout le monde. Vous pouvez tirer une carte supplémentaire. Eh non, c'est la fin. Donc, quand on clique sur une des cartes, là, voilà, on a de différentes choses qui arrivent et quand on a les salles, on a les accès des salles, ce que je n'ai pas regardé pendant la partie parce que j'ai oublié, j'ai donc dû me bloquer une partie de l'école, ce n'est pas très grave. Donc voilà, ça permet de faire des petites parties d'1 heure comme vous le voyez en allant un peu gros bourrin. Petit jeu sympa, alors c'est la remise des diplômes, ça va nous permettre d'avoir des bonus pour le prochain tableau et on veut nos diplômes avant de partir, on n'a pas travaillé pour rien. Hop, c'est parti. Donc là, on a la possibilité de relancer... De relancer un certain nombre de destins. On en a 45 à visionner. Donc là, on va avoir 150 de mana d'ombre. Réduit toutes les pertes de prestige 0,5. Okay. On en gagne 200 or.
150 de mana, prêtre, vous voyez que c'est pas trop mal. Hein. Plus on va vers le bas, plus c'est le top. On a de plus en plus de pourcentage. Paysan. Paysan, il avait 14% de chance, c'est pas de bol ça. Relance. Aventurier, bing, ok. Alors je sais plus combien j'ai le droit de relance. Mage de village. Prêtre, aventurier, c'est pas mal. Mage de village. J'en ai plus qu'une de relance. On va rester. Mage de village. Mage de village. Sbire, 150 de mana d'ombre. Prêtre, pas mal. Paysan. Prêtre relancé. Mage de village. Paysan, paysan, paysan. Prêtre. Mage de village. Paysan. Fossoyeur. Prêtre. Mage de village, mage de village, paysan, 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 mage de village. Là on peut plus rien changer. Donc on a les plus mauvais hein, qui arrivent vers la fin. Tout des pécores, c'est les derniers qu'on a eu. On finit la partie. Et il va nous proposer d'aller dans un nouveau lieu qui dépend de notre lieu de départ. Donc on peut soit aller vers le village, soit vers les falaises, soit vers le désert. On va aller vers le désert, ça permettra de revenir vers forêt, je sais pas ce qu'il y a que par là. Je sais pas pourquoi ça clignote. Apparemment on peut aller dans tous les tableaux, ou alors c'est parce qu'ils sont contigus, j'en sais rien. Allez, on va se prendre désert. Choisissez un grimoire, vous recevez un nouveau grimoire en fonction du nombre d'objectifs accomplis. 10 astuces simples pour gagner beaucoup. Guide des punitions, parchemin de séduction. Commencez chaque partie avec 400 heures supplémentaires, diminuez de 15% l'envie de faire des bêtises étudiants. Augmentez de 10% le nombre d'étudiants attirés par l'université. On va prendre. Malédiction, vous devez choisir une nouvelle malédiction à la fin de chaque niveau. Malédiction des grands anciens, la santé mentale de vos étudiants se dégrade progressivement. Malédiction anti-mage réduit tous vos gains de mana de 10% mais accroît 20% vos gains d'or. Tous vos nouveaux étudiants ont un ou deux défauts de plus. Oh, ça c'est chiant. Comme ça. On va sauvegarder, donc voilà pour cette petite découverte. Donc on se retrouve dans le désert. Une citadelle des sables. Le vaste désert des sables brûlants est un endroit hostile, parfait pour cacher une école de magie aux yeux des forces du mal. Ce n'est pas par contre l'endroit le plus agréable à vivre pour les étudiants. Et faites attention aux djinns du désert, ce sont des créatures magiques très instables. Il faudra dorloter mon professeur, les protégés du soleil. Piocher chapeau magique, lumineur effecteur du personnel. Recevez le modificateur global, canicule. Recevez 500 de mana. La carte gros sablier. On va se prendre ça. Et on va sauvegarder. Merci à vous en tout cas. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut!